Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on continue notre tour d'horizon après avoir parlé de matériaux de construction du bâtiment. Ici, on parle un peu de déco aussi, la déco qui est très importante, décoration, une des thématiques. Parce que le bien-être aussi, la qualité de vie meilleure, la thématique choisie sur cette édition. Et j'ai avec moi Dacosta Chavez, donc gérant de Botanica. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Alors je vois que vous avez du vert partout. On est vraiment dans une ambiance assez végétale. Parlez-nous de Botanica. Eh bien, Botanica est un aménageur végétal, donc partenaire des architectes et des promoteurs. Pour intégrer le végétal avec des solutions techniques importées ou créées au Maroc, maintenant depuis plus de 10 ans. Donc le but, c'est d'intégrer le végétal dans la bâtisse et aussi de créer effectivement, comme vous l'avez si bien dit, du bien-être. Et voilà, plus de verre, on en manquera toujours. Alors plus de verre, bien évidemment, c'est du vrai végétal, hein, c'est pas du végétal, où il y a les deux, il y a un peu d'artificiel et de... Alors effectivement, on couvre les trois en réalité. Donc il y a le naturel, il y a l'artificiel et il y a le stabilisé qui est du naturel figé. Donc voilà, nous on traite, on n'est pas des poseurs de végétal, mais on fait du conseil végétal, intégrer la bonne solution au bon endroit, c'est notre métier. Alors quelles sont les tendances actuelles aujourd'hui en termes d'installation végétale dans les infrastructures? On les voit dans les bureaux, dans les résidents, dans les appartements? Effectivement, aujourd'hui, une grosse tendance déjà depuis le Covid à créer un espace de bien-être plus important dans le milieu de travail. Beaucoup, beaucoup de bureaux, évidemment. Et puis, voilà, les personnes se sont plus reconcentrées sur leur bâtisse, plus de confort, plus de bien-être, intégrer l'écologie aussi s'il le faut. Donc, le bien-être est intégré dans notre nouvelle vie. Eh bien, merci Dacosta Chavez pour cette nous avoir embarqué un peu dans du vert ici au sein du CIB, parc d'exposition Mohamed VI Al Jadida.